Histoire de toile. Jacques Raymond Brascassin. Le loup. L'histoire se passe à la campagne, près d'une forêt de chênes. Le temps est nuageux, peut-être même orageux. Un loup noir affamé est sorti du tréfonds de la forêt et vient d'égorger une brebis égarée. Mais le prédateur n'a pas le temps de déguster sa proie. Le chien du berger se précipite sur la bête féroce. Au loin, le berger regroupe ses moutons grâce à son autre chien. « Lâche cette brebis, sale abuseur ! Que diable veux-tu ? Enlève tes pattes de cette brebis dont j'ai la garde ! Que nenni, elle m'appartient désormais ! Je vais t'apprendre les bonnes manières ! N'y pense même pas, je ne partagerai pas ! Tu viens de déclarer la guerre, elle sera sans merci ! À ces mots, le chien et son acolyte arrivés en renfort, mordent les jarrets du loup qui s'enfuit en hurlant à travers les bois.